Encore une fois de plus encore, j'aimerais dire merci. Merci de tout cœur à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent depuis nos sites, depuis la télévision Sadikim TV, notre page, le Facebook, le Twitter et sur tous nos réseaux sociaux. Comme hier, je l'avais dit que aujourd'hui devrait être en présence de mon mentor, le pasteur Gédéon, de la Tétouva, pour ceux qui le connaissent en Côte d'Ivoire, un grand homme de Dieu, un excellent homme de Dieu. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui, nous étions avec lui et je viens d'arriver. Cela fait quelques minutes maintenant que nous sommes séparés et j'aimerais faire cette vidéo pour non seulement lui dire merci de tout cœur, mais aussi remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le révérend Gédéon de la Tétouva est mon mentor, est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment dans les Écritures, qui est beaucoup investi dans les Écritures, qui a la compréhension des Écritures et qui donne des enseignements excellents. C'est un homme qui est beaucoup jugé, beaucoup méprisé par les églises dénominationnelles parce qu'ils ne savent pas qui il est réellement, quel est le mandat qu'il a reçu. Mais je ne suis pas venu faire la propagation d'un homme, mais juste vous dire que c'est un homme de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un homme de Dieu qui enseigne la Bible telle qu'elle est. C'est un homme de parole. C'est un homme qui a le verbe. C'est un homme qui est loin de l'esprit, investi dans les Écritures. Et je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, personne ne le connaît pas. Partout dans le monde entier, il a fait ses preuves sur le terrain ivoirien, sur le secteur national et international. On sait qui est Gédéon de la Tétouva. J'étais avec lui tout à l'heure au temple, au niveau d'Abobo, vers le municipal dépôt. Nous avons échangé brièvement, nous avons discuté. C'est un homme qui est beaucoup ouvert, un homme qui est admiré. Oh, c'est un excellent homme de Dieu. Ce que j'aimerais vous dire, c'est de pouvoir le côtoyer. Le côtoyer, aller sur son site. Suivez-le sur son Facebook et sur Gédéon de la Tétouva. Allez sur YouTube, vous le verrez. Téléchargez ses enseignements. Et vous allez vous enrichir avec tout ce qu'il dit. Ceux avec qui j'étais en sa présence étaient contents de le voir, de l'entendre parler. C'est un homme de bien. Je suis l'un de ses fils, donc il est pour moi un mentor. Lui dit merci parce qu'il m'a accueilli à bras ouverts. Comme je le disais tantôt, vous le verrez dans les jours à venir. Lui-même en personne, pas mental, lui-même en personne, sur la chaîne Sadikim TV. Vous verrez désormais, à partir du temps de ses interventions, ses différents enseignements postés, ses vidéos, ses enseignements, vous les verrez postés sur notre télévision Sadikim TV. Juste pour vous dire que Dieu est avec lui, suivez-le. Appelez-le, côtoyez-le et que le Seigneur vraiment nous bénisse. Je suis vraiment content, dans la joie, parce que je sais que Dieu fait la grâce que ses mentors, ces hommes loin de la Côte d'Ivoire, que Dieu a suscité pour le réveil et pour le christianisme révolutionnaire que prêche le pasteur Gédéon et son armée, continuera sur cette chaîne et sur tous nos réseaux sociaux à être prêché, à être divulgué pour le salut, donc
des humains que nous sommes. Ce que je vais vous dire, c'est que le Seigneur est avec nous. Vérifiez tout ce que nous enseignons dans la Bible. Faites des recherches sur nous et vous saurez que Dieu est dans ce que nous faisons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur nous. Shalom. Tu es l'alpha et l'oméga.